Hello tout le monde, c'est Mabraison, on se retrouve pour un nouveau tuto gameplay sur Leblanc, mid. Donc on se retrouve contre une Katarina, c'est pas un match-up très avantageux ni avantageux pour nous. Donc on va essayer de farm et tout. Bien sûr, comme toujours, le build en fin de vidéo. Hein. Alors, on commence par farmer tranquille, hein, on prend les premiers lastites et tout. Je tente un peu le poke, mais ça marche pas. Mais c'est elle qui me poke le plus en fait, elle me fait masse dommage. Là, je comprends pas ce qu'elle a fait, elle aurait pu me tuer. Enfin, je pense qu'elle aura pu me tuer. Le first blow de récupérer au bot, mais même s'ils ont récupéré qu'il après, mais le first blow c'est avantageux parce que tu gagnes des gold. Le Yasuo décale au mid sans aucun SS. Ni rien, mais il n'était pas sur les autres lanes, oui, parce que je pense beaucoup. On récupère le premier qui est sur le blanc, ensuite après la Yasuo me poursuit, il essaye de me tuer, mais le Nautilus me sauve. Alors après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il m'a pas laissé le premier kill, au moins sur la sur l'autre, sur la Kata. Alors on prend un double Anodoran et des bots et un peu de popo. Et là, le double Anodoran, c'est très fort. Alors, on va continuer à farmer tranquillement. À part ça, Leblanc, un perso très mobile, grâce à son Z et à son ult. Z que je max, moi, même si je sais qu'il y a des gens qui préfèrent max le A, moi je préfère max le Z. Hein. C'est comme ça. Donc voilà. Farm tranquille mais comme une bouse parce que enfin comme une merde cette partie. On farm tranquille. Donc voilà, le Yasuo décale, hein, j'ai oublié je crois de le signaler malheureusement. Donc là ensuite après j'ai essayé de stun le blanc mais ça marche pas. Je back pour acheter pour commencer à partir sur le first item, hein. Cette TN là, et en plus ça nous fait un peu d'RM, donc c'est pas mal en plus de nous donner du mana puisqu'on est contre une Kata, c'est plutôt pas mal d'un peu d'RM. Donc on farm, on récupère le blue que le Nautilus nous laisse tranquillement, gentiment. On récupère le plus de farm possible, on la poke un peu. Hein. Ici, au passage, je peux récupérer un kill, ce serait pas mal. Alors, oui, là, je récupère le kill. J'ai fait une double chaîne inutile, hein. C'était très mauvais de ma part. J'ai joué comme une merde là sur ce coup-là. Donc, voilà, on farm, hein. On push. La Kata qui va. Enfin, je m'éloigne quand même parce que comme c'est multi, je décale le bot parce que ça, ils ont l'air d'avoir besoin d'aide. Hein. Alors franchement, faut pas hésiter à décaler, hein. On prend les kills, tac, double kill, sous la tower, là ils vont essayer de me gratter, je les retiens le plus possible. Dommage, j'ai pas pu toucher la, le blanc, enfin la Kata avant, sinon je l'aurais eu et je ne l'ai pas eu malheureusement. Là, je comprends pas pourquoi le Nazu s'est passé de finir la tour, il aurait pu très mal le foutre en kispel et finir la tour. Oui, il y a beaucoup de tours. Et là, encore SS du mon Yasuo, je le signale et il arrive en même temps sur le gars. Après, l'autre espoir que j'ai pas signalé SS, mais je signalé. Alors, je retourne sur la bot lane, hein, parce que sur la mid lane, il y avait personne. Après, ça commence à décaler, je balance ma chaîne, hop, je cuspelle, je fais n'importe quoi. Je les évite au maximum, je dash pour partir. Bon, là, après, je joue. Je back, hein. Enfin non, je back pas tout de suite, je balance un Q-spell, enfin une chaîne et tout. Je récupère quand même le Teemo, c'est plutôt pas mal. Je prends le Calice d'Athènes, j'ai un petit Aptentine to reconnect. Et on va partir sur Medjay, on va essayer de faire les 20 stacks. Même si... Non, je n'y arrive pas, je crois. Peut-être qu'une fois j'ai frôlé les 20 stacks, mais... Pas vraiment fan. J'étais chaud. Hop, on farm tranquille, hein. Le Teemo, tac, là, le blanc, double kill, tranquille. Donc voilà, on continue à farmer. Le blanc, c'est match-up. Pour moi, les vrais match-up désavantageux pour le blanc,
c'est j'irai Yasuo. Yasuo, je trouve que ça peut être assez bizarre, un peu chiant pour le blanc, parce qu'avec son wall, je suis totalement fait de couilles. Après, qui pourrait y avoir d'autres? Rihanna qui peut faire chier. Enfin bref, il y a beaucoup de midlaners comme ça qui... Enfin, en tout cas, là j'ai carrément été fidèle à mort. Je me dis, je vais pas y aller en fait, donc je recule un peu, j'attends que mon Graves aggro, et là hop, je récupère le kill sur le Timo. Puis après, sur la MF, ce qui me fait quelques stacks de magic qui est plutôt pas mal. Je fuis à cause du champignon, hein. Bien sûr, sinon je ne fuirais pas. J'ai tenté un dash que j'ai raté, je me suis pris un couteau. Moi, je suis le con, je dash, j'aurais peut-être dû flash et tout, parce que là il y a la sou, et là je vais me prendre le couteau. Et vraiment, genre, le couteau elle l'a balancé, j'ai dash. Et, si j'avais flash avant, tout à l'heure, elle m'aurait pas eu. C'est pas grave. Donc au final, on a perdu quelques. Je crois à un ou deux stacks Medjay. On repart en backline pour tuer de la MF. On s'est tué malheureusement. Ce qui nous fait perdre encore des stacks de Medjay. C'est assez chiant. On fait du 12-13, on est plutôt bien. Du 12-3. Pardon, j'ai dit du 12-13, je crois, un truc. Quelle horreur. Je ne peux pas faire un score pareil. Même si je suis bon 5, je ne peux pas. Tac. On ward. On se casse. J'ai essayé de récupérer qui. Je vais parler. Timo. Pour moi, c'est un des pires ennemis de l'Europe. Franchement. C'est un counterné, quoi. Le gars, il peut lancer un champion ou de ma merde. Là, on va chercher la kata qui dash et tout. Mais là, j'ai tendu l'embuscade, elle croyait. Je pense qu'elle pensait qu'elle allait se faire. Mais j'étais là. Alors, on part sur un DFG hein, pour le cooldown, pour la paix, bien sûr. Et surtout pour son utilisation qui renforce. Qui fait des dégâts quand même. Et c'est plutôt pas mal, DFG. Enfin, moi je pars, certains partent Rabadon en premier, moi je pars DFG en premier sur le banc. Enfin, par rapport au Rabadon. Donc voilà, on va gank la mid lane. Enfin, même si on peut pas la place, hein, trop un gank. Je me disais que le Timo me suivrait. L'attaque, je me fais un. J'ai failli me faire un double kill. C'est juste que là, j'ai fait une grosse erreur. J'ai chaîne et j'aurais dû chaîne, puis après dash pour avoir mon ulti, là j'aurais eu. Malheureusement, je ne l'ai pas eu à cause de cette erreur. Hein. My bad. Je prends les bots comme ça, les bots avec deux foyers parce que pour revenir vite et tout, je vais prendre par derrière. Au début, je voulais me faire le s'il était là, mais il n'était pas là. Je sais plus si. Voilà, je récupère des kills. Hein. Facilement et tranquillement, je back. Mais après, je. Enfin. Le blanc, c'est un perso. Les combos sont assez durs à gérer, mais sinon c'est un perso plutôt simple à jouer. Ça a tellement d'escape, c'est super mobile. C'est franchement, j'aime beaucoup ce perso. Plutôt sympathique, j'ai récupéré un kill. Enfin, j'ai pas récupéré un kill, non. J'ai eu l'assist, ça fait quand même un save de Medjay, donc je suis toujours court. Là, je fais le con, je récupère un kill quand même. J'aurais pas dû faire le con comme ça, j'aurais dû me marrer. Là, le Nautilus AFK, je crois. Ouais, le Nautilus AFK. Franchement, si le Nautilus avait pas AFK, je pense qu'on aurait peut-être eu plus de chance. Mais bon. Pas grave. Donc voilà. À part ça, les tutos gameplay. Il y a une outro. Je vais faire une outro. Mon dieu. Là. Dégâts! Le Timo, je peux le one shot le Timo, hein, clairement. Et je pense que je le one shot facilement. Et pour ceux qui me disent one shot, mais ouais, mais non, c'est un seul coup one shot et tout. Non, one shot sur LOL, si vous prenez comme ça, c'est un combo. En un combo, je l'explose. AZR. Po. Au revoir, Timo. Là, je lance ma chaîne. Hein. Là, j'ai pas compris ce que j'ai fait. C'était Akata, elle avait dashé.
Après, je me retrouve derrière elle, elle fait rien. Elle essaie même pas de prendre le kill, mais non, elle laisse la MF le prendre. J'ai rien compris à ce moment-là. En tout cas, à part ça, on est plutôt pas mal, hein. Je le gâche pas avec nos kills. On a 9 stacks Medjay. On va au bot gratter un peu Yasuo qui m'a défoncé ce coup-là. Le wall a été vraiment sans sauvetage. Là on s'est fait défoncer. Mais ils nous font jamais nice parce qu'on a plus Nautilus. On a plus Nautilus. Là je vais me faire un petit mot. Hein. Il y a quoi qui vient m'échapper. Mais non le bâtard. Je l'ai tué à l'auto-attaque. Voilà, donc là on a fait la tornade du Yasuo qui indique sa position au jeu Nauti. La routine quoi. La routine. Donc voilà. Yasuo qui revient sur la mid lane. Pour des push. Alors il a maxé son wall. J'ai pas compris pourquoi. Je pensais qu'il aurait maxé comme tous les Yasuo son A et son E, mais. Il a maxé son wall. Là, je récupère le farm hein, parce que là clairement je suis no life. Après je me dis là il y a hey, je vais me faire gank et tout Alors le blanc c'est un perso. Faut jouer un peu pussy hein. Clairement ce perso c'est un peu pussy hein. Je vous le cache pas. Vous pokez énormément, vous restez plutôt safe. Donc voilà Cette game est plutôt pas mal, mais bon, on va se faire, je pense, se défoncer. Là, on fait break vite fait, grave erreur, ça leur permet de push. Voilà quoi. Au moins, ça me permettra d'avoir peut-être le full stuff. Et ça me permettra, pour, je pense, d'avoir le full stuff. Sinon, à part ça, on récupère des gold. Alors ça me fait marrer avec l'accéléré, genre les gold qui se remplissent comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descend. Ah super vite, c'est super drôle. Je vous dis pas comment, mais c'est super drôle. Donc voilà, on part, on récupère les kills le maximum, on fait des kills. Je veux faire le Penta. Je veux le faire Penta, mais c'est tapette de Kata et de Yasuo. Je pense que s'ils avaient été là, avec Graze, j'aurais fait le Penta. Le tuto gameplay, vous auriez eu à 100%. Je l'aurais posté, même si ça me devait me coûter un bras. Parce qu'un Penta qui est en vidéo, je vous dis pas comment ça fait du bien. Et bon, je me suis déjà fait un Penta qui avec le vent. Un seul. C'était. Il y a longtemps, mais genre, je me rappelle, c'était une game où j'étais trop chaud et tout. J'étais feed en face, le midliner il m'avait feed et tout comme un porc et tout. Genre, je suis d'un seul malade. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine en vous laissant bien sûr le build final. Allez, bye!